Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 55 de Stage 1 et nous allons parler aujourd'hui encore d'un jeu Lego. On va faire la suite de l'épisode 54, c'est-à-dire qu'on va jouer au deuxième jeu de Indiana Jones en jeu Lego. Donc Lego Indiana Jones 2, l'aventure continue tout simplement, voilà, vous le voyez. Donc c'est parti, on appuie sur une touche à la manette. Allez voilà, donc nouvelle partie. Non, je ne peux pas charger parce que j'ai... Alors là, il y a un petit problème, un petit bug graphique sur le menu, j'arrive pas. Ah! Voilà, nouvelle partie. On va regarder les options avant. Donc, de toute façon, les mouvements, c'est bon, ils sont bons. Voilà, ça y est, nouvelle partie. On va le faire, on va écraser. Oui, allez. Voilà, sauvegarde en cours. Voilà, sauvegarde est réussie. Donc, le petit chapeau qui nous dit quand ça enregistre. Royaume Ukraine de Cristal, acte 1. Donc là, c'est le choix des niveaux en fait. Donc les caisses s'ouvrent au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu. Donc là, vous voyez, elles sont un peu toutes fermées. Alors, on va sélectionner celle-là. Et c'est parti. Donc on va commencer l'histoire. Et donc nous revoilà avec la main, c'est parti, on va commencer à jouer hein, tout simplement. Donc là vous voyez un peu le décor sous ça, c'est pas vraiment, c'est un petit niveau avant de commencer le niveau on va dire. C'est un endroit où on va revenir assez souvent entre les niveaux. Donc là je sais déjà ce qu'il faut faire, en fait il faut donner la banane au singe. Parce que sinon on pourra pas passer, le but c'est de prendre le train. Ouais, en plus on a une flèche qui nous dit voilà, faut que t'ailles là. Donc on va essayer d'aller là. Sauf que je ne sais plus du tout comment on fait pour donner la banane au singe. Il me semble qu'il fallait monter soit utiliser des, par exemple des bancs. Je ne sais plus du tout. Là il y a une petite lumière, je sais pas. Appuie sur X pour t'occuper de la banane. Parce que là on a donc le singe qui est tout en haut, mais comment lui donner? Ouais. Non, alors j'ai appuyé sur X et du coup j'ai repris le banc. J'aurais pas dû. Non, je veux la banane. Je veux pas en donner des coups non plus. Ouais, comment je fais pour lui donner la banane? Est-ce qu'il faut que je tire? Voilà, bah ça doit être ça. Je me souvenais plus. Voilà. Il a la banane, et donc du coup, bah il se dit, oh tiens, ça sert à rien ça. Donc il nous la donne, on la replace, ça lève le passage à niveau, et puis c'est parti. Oh, non.
Et nous revoici avec la main. Alors, apparemment, on a été donc enlevé par les mecs là. On sait pas trop qui c'est. On peut connaître l'histoire après de Indiana Jones. Et, on va pas trop s'attarder dessus l'histoire. Donc là, ben, il faut en gros récupérer la caisse qu'ils voulaient. Ils nous ont montré une caisse. Vas-y, trouve là. Il y a des caisses partout. Oui, voilà, faut retrouver ce qu'il y a dedans. Là. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je sais plus. Je suis pas très attentif. Voilà, donc là, ben, tout simplement, faut avancer. On va essayer, donc là, on a notre liane. Hop là, on s'attache. On va récupérer ça. On va pousser la caisse, là. On va le pousser par terre pour que l'autre puisse monter, parce que l'autre, il est un peu con. Il a pas de petite liane comme nous. Voilà, on monte un petit escalier. Tac. Hop là. Je suis sûr que si j'avais continué, il serait arrivé à monter. Je sais pas. On va tester. Alors. Donc là, il y a des caisses à foison. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Si je monte dessus, qu'est-ce qui se passe? Ah bah ça envoie de l'air ici. Si je me mets dessus, il envoie de l'air. Voilà. On récupère les petites pièces, c'est sympathique. Hop là. Donc on casse des caisses, ça veut dire. Ah bah tiens, il y a quelque chose dedans, il y a une flèche là, donc voilà. C'est un truc qui s'agite. Donc là, on le monte. C'est un bras de robot, apparemment. Le bras du robot. On continue à casser les caisses, il doit y avoir l'autre moitié quelque part. Donc là-haut, on peut pas y aller. Là, il faut tirer. Alors, c'est une cible, il faut tirer avec notre assistant qui a un pistolet. Tout simplement. Voilà, ça, c'est pas une caisse à casser. Par contre, ça là-bas, c'est des caisses à casser. Et là, celle-là, hop là. Il y a ce qu'on veut, on récupère, on va l'emmener là-bas, comme l'autre. Donc après, il va falloir animer le robot, vous allez voir. Hop là, donc là, pour l'instant, on monte le deuxième bras. Hop là. On récupère un peu les petites pièces. Donc là, on prend un des items. Tac, 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 on va se mettre là-bas. On prend tous les deux un item. Parce qu'il y a deux yeux à animer, donc voilà. Lui, il est content. Lui, on le met là, il fait pareil. On le met vers là, et là, pareil. Voilà, on l'a presque pas vu, ça a merdé, mais j'avais tourné avant qu'il lâche. Voilà. Donc là, première chose à faire, c'est d'aller éteindre l'incendie qui est en haut, en jetant des bouteilles, tout simplement. Donc là-bas, on construit le machin. Mais quand on peut pas monter, parce que sinon on va mourir. Regardez. Ok, hop là. On jette donc une bouteille pour éteindre le premier, et on va éteindre avec une deuxième bouteille, il n'y aura plus de feu. Ah, tout ça, on a les cibles lancées au visé, voilà, c'est bon, on peut y aller. Tac, tac, tac. D'ailleurs, ça devrait quand même être chaud sous nos pieds. Mais bon, on s'en fout, on a des chaussures. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on a une cible. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des pics. Si je prends mon pic. Hein. Ah oui, il y a des flèches là-bas, donc il faut viser. Hop là, on va se faire un petit chemin. Tout simplement. On vise vachement bien d'ailleurs. Allez, hop, ça atterrit pile poil au milieu. Il y a encore des caisses à casser. Voilà, donc on profite, voilà, on
pendant que je continue à jouer. C'est quand même toujours aussi bien fait au niveau du jeu Lego. Vous avez remarqué l'introduction qui est toujours assez drôle. Donc quand vous aimez ce genre de classique, c'est plutôt pas mal à jouer, franchement. Je sais que quand on aime Harry Potter, bah, on joue à Lego Harry Potter, on aime Indiana Jones, IA, Pirates des Caraïbes, Batman. Et prochainement, Le Seigneur des Anneaux. Il est pas encore sorti à la date actuelle. Mais je le testerai quand il sera sorti déjà. Pour l'acheter, c'est un peu mieux. Alors, on continue. Donc ça, on peut pas prendre. Ça. Il y a un vieux missile, il servait pas à rien. Voilà, c'est pour faire joli. Donc là, il faudrait ouvrir la caisse normalement. Dans la caisse, il y a une petite trottinette. Alors, le but déjà, ça va être d'ouvrir cette caisse. On va y aller. Hop. 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 Est-ce que. Non, on peut pas l'ouvrir par là. Donc là, on va faire comme l'autre là-bas. On fait tomber les morceaux, ils sont attirés automatiquement par la boîte. Par ça ici. Voilà. Et la cinématique. Nous revoici, on a essayé de s'enfuir, mais on a un ennemi là qui nous casse les bonbons. Alors le but pour l'instant, ça va être de lui taper sa tronche. Parce qu'il s'enfuit tout le temps. Donc il va falloir récupérer, il va falloir réussir à monter là-haut. Lui, il est monté comme ça en sautant, nous on peut pas. Il faut qu'on arrive à descendre l'échelle là et tout ça. Donc ça va être un peu plus compliqué. Donc, on va monter sur les deux boutons là-haut. Je pense que c'est les deux boutons qui ouvrent la boîte. Heureusement qu'on est deux, parce que tout seul, on aurait galéré. Donc voilà, la boîte est ouverte, il y a une trottinette, c'est bien ce que je disais. On monte dessus, on va la poser là. Alors cette trottinette est absolument impossible à conduire. C'est horrible. Je vous dis. C'est impossible. Alors lui il nous jette des trucs qui explosent. C'est pas top. L'enfoiré. J'aimerais bien pouvoir poser ma trottinette sur le bouton. Ah! C'est horrible à conduire. Vous pouvez pas mettre des directions faciles. Non, non, ils ont mis des trucs. Je tire des balles. Voilà, voilà, c'est bon, ça y est, elle est mise. Donc ensuite, maintenant, il faut que je mette un deuxième véhicule là-dessus. Et comme par hasard, on a une petite voiture là. Voilà. Allez, on y va tout doucement. Et voilà. Donc ça ouvre la porte là, tout simplement. Allez, on descend. Donc on va aller activer le levier là-bas si on peut. Il faut déjà récupérer le morceau qui nous manque. Là. Non. Ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut? Utiliser le levier pour que quelque chose se passe. Non, il n'y a pas de morceau. C'est bon, donc voilà, ça descend l'échelle, comme prévu. Envie de dire. Et là on va remonter. Et on va pouvoir aller taper l'autre là-bas, si on peut. S'il s'enfuit pas, parce qu'il est capable de se barrer encore plus loin.
on va éviter ces, ces tirs de... Merde. Et voilà. Hop, donc il est toujours vivant. On n'a pas réussi à le taper, donc on va. Je sais plus exactement comment il faut faire. Normalement, parce qu'il faut appuyer sur les deux boutons là-bas pour envoyer de feu à fond, pour que le moteur il se mette en route, le moteur de l'engin se mette en route. Quand c'est marqué, vous voyez le petit panneau. Quand on appuie, ça balance le feu. Sauf que là, il est au-dessus, il faut le descendre. Donc il faut faire comme ça. Voilà. Faut le descendre, faut le mettre là. On a notre ami, il est un peu con. Voilà, on se met dessus, l'autre se met là, et voilà. Ça l'a brûlé et il a perdu un cœur. Donc voilà. Il faut faire ça trois fois, évidemment. En fait, faut pas qu'il nous chope, mais comme on peut le faire depuis là, comme ça, tranquille. Hop là. On a une liane un peu plus grosse que sa chaîne. On peut le poser à chaque fois. Faut pas attendre trop longtemps parce que sinon il se délivre. Voilà, un cœur de moins. Il manque encore un petit cœur et. Et ce sera fini pour ce niveau, je pense. Il me semble, après on va prendre l'engin, alors on va essayer, attention, qu'est-ce qui va se passer. Hop là. Et donc nous aussi on a réussi à leur échapper, mais on va pas aller plus loin. Donc voilà, quand ils nous donnent les personnages, mais sur la fenêtre de jeu c'est un peu différent. Et ce sera tout pour Lego Indiana Jones 2, l'aventure continue. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé, ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.